Thank you.
Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans Luc chapitre 11, du 5e au 10e verset. La Bible dit ceci. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, les enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner. Parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Inclinons nos têtes. Amen.
La sœur Mère de Montpellier dit ceci.
Je remercie sincèrement mon Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, qui a permis que je puisse passer d'une promotion à l'autre. Cela à la deuxième session. Que son Saint-Nom soit loué à jamais. J'invite les conducteurs de chant.
Seigneur vous bénisse encore une fois cet après-midi. Je crois que vous êtes à la joie de vous retrouver encore une fois dans la maison du Seigneur. Oui, soyez toujours dans la joie. Voilà, c'est ce que David disait. David que quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, je suis très content pour ça. Parce qu'il allait rencontrer le Seigneur chaque jour en allant à l'église. Que Dieu soit loué pour ce soir. Pour nous avoir accordé l'occasion de nous retrouver dans sa présence. Encore une fois, nous remercions notre président et pasteur Aï. Pour nous avoir accordé l'occasion de vous parler encore une fois cet après-midi. Et à vous, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse très richement pour être venu. Vous, vous êtes de la meilleure classe qui puisse exister. Frère Bernard me dit, être un fils de Dieu, une fils de Dieu, une fille de Dieu, vous êtes de la meilleure classe. Raison pour laquelle nous remercions toujours notre Dieu pour ça. Et sans plus tarder, veuillez vous mettre debout. Je vais terminer le petit sujet que j'avais commencé le mercredi. L'amour de Dieu dans les cœurs d'un croyant. C'est là que nous lisons dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas dans lui. Apocalypse chapitre 2, premier au quatrième verset, le message adressé à l'âge de l'église d'Éphèse. Écrit à l'âge de l'église d'Éphèse. Cet ange-là, c'est le messager Paul. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il dit comment? Je connais tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Créateur du ciel et de la terre, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Et toi, tu nous as dit, dans les derniers jours, personne n'enseignerait son frère. Tous seront enseignés de Dieu. Viens-toi de glorieux Saint-Esprit. L'ange qui a apporté son message au travers de Oulam Branham, viens nous donner le contexte, Seigneur. Et viens nous parler toi-même directement à nos cœurs. Nous recommandons ici à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen.
Je disais que je vais terminer mon petit sujet que j'avais commencé depuis mercredi. Sur l'amour de Dieu dans le cœur d'un croyant. Je voudrais vous rappeler ceci. Ces choses, nous ne les disons pas tout simplement pour les dire. Mais nous, en ces temps de la fin, nous croyons que Dieu nous a envoyé un prophète. Et par ce prophète, Dieu a parlé selon les promesses qu'il avait promises pour ces jours. Il avait promis dans Malachie 4 que je vous enverrai Élie le prophète. Il nous avait promis dans Luc 17:30 que lui-même s'évoilerait dans une chair humaine, la chair de Malachie 4, afin de s'exprimer lui-même à son peuple. Et il avait promis dans l'Apocalypse chapitre 10 qu'il allait retourner sur la terre avec un message. Et c'est ce message là que nous croyons. Et nous ne venons pas ici raconter des choses pour les raconter. Mais ici nous voulons tout simplement reprendre ce que l'ange a dit au travers de William Branham. C'est que Dieu lui-même a parlé par ses prophètes. Comme il est s'agissait de l'Esprit éternel de Dieu, c'est cet Esprit qui voyait depuis le commencement ce qui arriverait. Et il avait déjà vu ce qui arriverait à ces jours-ci. Mais nous avons reçu la grâce de comprendre ce que les autres ne pouvaient pas comprendre. Parce que Dieu avait promis, il avait dit qu'au temps de la fin, j'aurai une épouse parole. Et cette épouse ne tombera pas comme la première heure. Ces filles de Dieu ne tomberont pas comme ceux d'Éphèse, ne tomberont pas comme ceux de Smyrne, pas comme de Pergame, parce que cette épouse aura la totalité de la parole. Alors il s'agit de vous, il s'agit de moi. C'est ainsi que nous avons d'abord consulté les dictionnaires pour voir la signification du mot amour. Et le dictionnaire nous a dit que l'amour, c'est un sentiment de profond attachement. Un profond attachement. À quoi? À une valeur ressentie comme supérieure. Et pour nous avons compris que cette valeur qui est ressentie comme supérieure, il s'agit de Dieu lui-même. Et à laquelle on est prêt de se sacrifier. Et le mot sacrifier signifie abandonner volontairement quelque chose en considération d'une personne. Et vous et moi, quand nous comprenons l'amour et que nous disons que nous avons l'amour pour Dieu, vous devez comprendre, je dois comprendre que si j'ai cet amour dans mon cœur, ça doit être un sentiment de profond attachement à Dieu. Et pour ce Dieu-là, je suis prêt à se sacrifier.
Jésus prêt à abandonner volontairement quelque chose. Il renonçait en considération d'une personne. Et ici, cette personne, il s'agit de notre Dieu lui-même. En considération de ce Dieu qui m'a aimé. C'est Dieu qui m'a appelé à cette parole. C'est Dieu qui m'a ouvert les yeux. Que je puisse voir les promesses accomplies en ce jour. Pour ça, je suis prêt à abandonner volontairement les choses. Ma façon de les considérer. Et c'est ce que le dictionnaire nous a dit, et c'est comme ça que nous devons comprendre. Et nous avons lu, frère Bram dit que notre Dieu a aussi besoin d'être aimé. Il veut que ses enfants l'aiment. Il veut que tu puisses l'aimer, il veut que je puisse l'aimer. Vous voyez? Alors nous devons avoir ce sentiment d'attachement dans notre cœur. Maintenant, mon problème, j'ai commencé par l'âge de l'église d'Éphèse. Quand Dieu parlait aux croyants de ces temps-là, et nous avons dit, frère Branham dit, quand l'esprit parlait aux Éphésiens, aux chrétiens du premier âge de l'église, l'esprit ne parlait pas seulement à eux. Il parlait également à ceux qui allaient venir dans les autres âges. En d'autres termes, l'esprit nous parle, nous aussi, à ce quand Dieu leur reprochait, leur disant que vous avez abandonné votre premier amour. Frère Branham a commencé à interpréter pour dire, ils avaient un désir fervent d'être agréable à Dieu. Mais ils ont abandonné ça. Ils avaient la passion de connaître la parole. Cette passion là, secrète, avait déjà abandonné ça. Cette volonté de progresser dans l'esprit, cela avait déjà commencé à s'estomper. Raison pour laquelle Dieu disait, c'est que j'ai contre toi. Parce que tu as abandonné ce fervent désir que tu avais. Cette volonté de progresser, tu as abandonné ça. Voilà que cela est devenu flou dans ta vie. Et ces gens-là devenait formaliste. Les formalismes se manifestaient dans leur vie. Et ces chrétiens, ils avaient déjà commencé à se conformer au monde. C'était devenu tout un souci de s'adapter au monde, s'adapter au modèle de ce jour. Et cela les rendait froid. Cela les rendait flou. Et frère me dit, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce qu'ils faisaient avant. Et se mettre à faire des choses qu'ils ne faisaient pas au départ. Ils changent de façon, la façon de s'habiller, les attitudes et même les comportements. Et c'était ça ce
Si j'ai de l'amour filé pour ma femme,
Combien plus grand est mon amour agapao pour Dieu? Je ne ferai rien au monde qui puisse les blesser. Oh mon frère, ma soeur. Maintenant, écoutez comment le prophète dit. Je l'aime. Je veux faire tout ce qu'il veut que je fasse. Mon frère, ma soeur. L'amour de Dieu dans votre cœur. Verra que vous puissiez faire ce que lui veut. Et le prophète dit, mon prophète Douamba, je veux assumer chaque parole qu'il a dite. Écoutez, assumez chaque parole. À cause de l'amour que j'ai pour Christ, je voudrais assumer chaque parole qu'il a dit. Non pas contourner une autre parole. Je voudrais assumer chaque parole qu'il a dit. Parce que je l'aime. Il dit, qu'importe ce que le monde dit, de toute façon, ils ne croiront pas cela. Mais je veux savoir ce que lui me dit de faire. S'il me manque quelque chose, s'il me manque quelque chose, je veux qu'il me le donne. Et vivons pour lui en nous gardant du monde. Oh, ma soeur, mon frère. C'est ça l'amour de Dieu dans le cœur de moi. Vous l'aimez tellement que vous ne voudriez pas le blesser. Vous l'aimez tellement que vous voulez assumer chaque parole qu'il a dit. Vivre de toute la parole. Et c'est ça le but dans de la fin. Elle est appelée à vivre de toute la parole. Maintenant, je fais un pas. Il raconte notre histoire. Suivez attentivement. Dans la rédemption par le jugement. Prêchez le 14 novembre 54. Paragraphe 40. Jusqu'à 40 seulement. Suivez une autre dimension, comment Frère Branham parle. Parfois je suis loin de chez moi. J'aime ma femme. Je veux faire quelque chose pour elle. N'oubliez pas notre sujet. L'amour de Dieu dans votre cœur. J'aime ma femme. Je veux faire quelque chose pour elle. Je lui achète une boîte de bonbons. Vous quelque chose d'autre. Et je sais qu'elle m'aimerait que je fasse. Je fasse. Qui amènerait ma femme à comprendre que je l'aime. Je peux lui payer une boîte de bonbons ou quelque chose d'autre qu'elle aimerait que je fasse. Il dit, je veux faire ça. Maintenant,
Maintenant, il dit quelque chose qui va nous étonner nous tous. Tinge udu kebe kwamba bwana mungu wabwe haji yubwa matete monsune nuna tubuke. Il dit, et maintenant mes frères. Kwampinde bana betuai. Ceci pourrait paraître un peu drôle. Ebu mundi kebe kwamba musubudu mwaku keme shabantu. Ce n'est pas un endroit très indiqué pour dire cela. Ebu mwaba wundi mwima neuki mwaba mukumba nabwa mwema kwamba bwana wabutu. Mais, kati. J'aime l'aider à faire la vaisselle. Il venait de dire que j'ai toujours désiré faire quelque chose qui amènerait ma femme à comprendre que je l'aime. Et j'aime l'aider à faire la vaisselle. Parce que je sais que c'est dur pour elle de le faire tout le temps. Et je fais tout simplement là et je fais la vaisselle pour elle. Et ne le dis pas souvent. Mais je sais qu'elle apprécie cela. Vraiment, qu'est-ce que j'essaie de faire remarquer ici? J'essaie de dire ceci. Je désire faire cela. Même si quelqu'un dit, t'aimes pas la phrase? C'est parce que les voisins trouvent que je suis une poule mouillée lorsque je suis là à secouer les tapis et à nettoyer les planchers et à faire des choses comme cela, le travail des femmes. Parfois, je pense que les voisins trouvent que je suis une poule mouillée là. Lorsque je suis là à secouer les tapis et à nettoyer les planchers et à faire des choses comme cela. Le travail des femmes. Le prophète dit, mais j'aime faire cela parce que j'aime ma femme. J'aime faire cela parce que j'aime ma femme. Maintenant il dit, et tout ce que je peux faire pour lui faire comprendre que je l'aime, je le fais tout simplement. Tout ce que je peux faire pour lui faire comprendre que je l'aime, j'aime tout simplement le faire. Maintenant, le prophète dit, maintenant suivez ce qu'il voulait nous faire remarquer dans ça. Eh bien, il en est de même pour chaque croyant. Maintenant, que ceci pénètre très profondément. Ouvre grandement la coupe maintenant. Ma soeur, mon frère, ouvre maintenant la coupe. Ouvre maintenant ton cœur. Si vous êtes un croyant et amoureux de Jésus, tout ce que vous pouvez faire pour l'amener à vous aimer davantage, vous aimez tout simplement le faire. Amen. Si vous
vous êtes un croyant, pas un simple croyant, mais amoureux de Jésus. Une chrétienne pleine d'amour qui aime le Seigneur. Un chrétien plein d'amour qui aime Jésus. Vraiment, tout ce que vous pouvez faire pour l'amener à vous aimer davantage, vous aimez tout simplement le faire. Mais là, le prophète dit, suivez. Si le fait de fuir ces choses mauvaises, peu importe si Jésus tentait, si le fait de les éviter me fait l'aimer, Et si je pense que cela l'amènera à m'aimer un peu plus, Si je ne faisais pas ceci ou cela, j'aimerais bien faire cela, pas vous. Oh, c'est très profond ça. Si le fait de fuir ces choses mauvaises peut amener ce Christ, cet homme qui m'a aimé, cet homme qui t'a aimé, si le fait de fuir les choses du monde, d'éviter des mauvaises choses, si cela peut l'amener à m'aimer un peu plus. Amen. Parce que nous sommes amoureux de lui. C'est là que Frère Branham racontait cette histoire de sa femme, comment il était à la cuisine. C'était tout simplement pour amener Meda à aimer un peu plus, à l'aimer beaucoup plus. Et nous aimons le Seigneur. Si le fait d'éviter les choses du monde, c'est mauvaise chose là. Fuir c'est mauvaise chose. Les éviter. Si cela l'amène à m'aimer, en tout cas, je ferai cela. Oui, oui. Hey, si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous ne fumerez pas. Vous ne chiquerez pas. Ne boirez pas d'alcool. Nous sommes dans l'amour. Prêché le 26 juillet 56, paragraphe 31, il dit cela vaut encore ce soir. Si vous l'aimez, même si vous ne pouvez pas le faire, même si vous pouvez le faire et vous en tirez, vous ne le ferez pas de toutes les façons. Si vous l'aimez, mon frère, si vous aimez le Seigneur Jésus, vous ne boirez pas l'alcool. Mais si vous trouvez quelqu'un qui aime le Seigneur, mais qui boit l'alcool, qui fume, qui vole, mais qui dit qu'il aime le Seigneur, non, il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Cet
amour n'est pas là. Vraiment, si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous ne fumerez pas, vous ne chiquerez pas, vous ne boirez pas d'alcool. Vous ne boirez pas d'alcool. Ah, si vous l'aimez, même si vous pouvez le faire et vous en tirez. Si vous l'aimez, même si vous pouvez le faire et vous en tirez. Vous ne le ferez pas de toutes les façons si vous l'aimez. Le chrétien aime le Seigneur. Il l'aime tellement qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Adipone. Ni la mort, ni la tristesse, ni les périls, ni les emprisonnements, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh là là. Hey, mon frère, quand vous recevez cela dans votre cœur avec ce genre d'amour, cela dépassera toute autre chose que vous pourrez nous substituer. C'est tout à fait vrai. Oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est ce que Dieu veut voir à nous. Paragraphe 97. Dans les choses qui doivent arriver, il dit, vivons pour lui en nous gardant du monde. Vous, les jeunes femmes, vous êtes jeune, je sais bien, mais vous êtes chrétienne, vous êtes différente, vous n'avez pas à être comme le monde. Mes chers jeunes sœurs, vous êtes encore jeunes. Mais n'oubliez pas que vous êtes chrétien. Vous êtes différente d'autres filles. Vous n'avez pas à être comme le monde. Et le prophète dit, vous aimez les choses du monde. Pas seulement vous les jeunes, mais aussi certaines d'entre vous qui êtes plus âgés. Vous voyez, vous regardez la télévision, vous allez au magasin et vous voyez ces petits vêtements bizarres que portent les femmes et qui sont impies. Ma soeur, regarde d'abord les habits que tu as portés. Est-ce pas ce que le prophète dit? Est-ce que toi là tu avais l'habitude de porter ce genre de vêtements? Ces petits vêtements bizarres que portent les femmes. Et le prophète dit qu'ils sont impies. Vous savez ce qui arrivera au jour du jugement. Voyez, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, j'ai commis adultère avec elle. Qui est coupable? Vraiment, vous voyez. Donc vous comprenez que ici, quand vous aimez Christ, des petits vêtements ne peuvent pas vous séduire. Vous c'est le travail que vous donnez au diacre à la porte là. C'est tout simplement une preuve que tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que si tu aimes le Seigneur, il ne peut pas porter ce genre de vêtements là. Non, ma soeur.
tu dois avoir cet amour de Dieu dans ton cœur. Nous ne sommes pas comme les dénominationnels. Qui disent j'aime le Seigneur. Dieu voit mon cœur. Il ne voit pas l'extérieur. Mais nous, nous sommes éclairés par les prophètes. Maintenant, écoutez, je progresse encore. Prenons dans la statue des non-parfaits. Du 14 octobre 62. Paragraphe 34. Suivez un peu attentivement. Un jeune homme a demandé l'autre jour, disant, Frère Banam, pensez-vous que je pourrais... Je devrais épouser telle ou telle jeune fille. J'ai dit, quelle importance a-t-elle pour vous? Il a dit, il a répondu. Qu'est-ce que je l'aime? J'ai dit, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez mieux de l'épouser. Mais si vous pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas. Si vous pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas le faire. Mais si vous risquez d'en mourir, vous feriez mieux d'aller de l'avant et de vous marier. Donc, ce que j'essayais de lui faire comprendre, c'était ceci. Si vous l'aimez tellement, bien, à ce moment même, avant d'être marié, tout est bien. Tout est beau. Mais une fois marié, alors, les labeurs et les épreuves de la vie commencent. Suivez attentivement cette histoire. Les gens ont besoin de témoignages. J'aime tellement ce frère-là. J'aime tellement cette sœur. Mon cher, moi, c'est tout à fait normal. Frère, me donne les conseils à ces garçons. Il dit, si vous sentez que vous ne pouvez pas vivre sans elle, allez de l'avant, mariez-vous. Comme vous vous aimez là, avant le mariage, tout est beau. Mais quand vous allez vous marier, le prophète dit, les labeurs et les épreuves de la vie commencent. Maintenant le prophète dit, c'est alors que vous devez être tellement amoureux. Que vous comprendrez l'un l'autre. Maintenant le prophète dit, quand elle vous décevra et que vous la décevrez, vous continuerez à vous comprendre. Maintenant le prophète dit, séparez avec Christ. Voyez, nous devons être tellement amoureux de lui. Suivez. Que lorsque nous demandons quelque chose, et qu'il ne nous donne pas, cela ne nous ébranle pas du tout. Mm-hmm.
L'amour de Dieu dans les cœurs des croyants. Avant que tu nous croies le message, tout était bien. Avant que tu ne puisses te marier, ma sœur, il y a des bonnes promesses que vous faites avec votre frère. Vous faites des bonnes promesses. Mais retenez une chose. Quand vous serez dans le mariage, vous aurez certaines réalités. Mais la frère Ramadi, si vous aimez réellement, et que vous passez par des moments compliqués dans le mariage, c'est à ce moment-là que vous devez vous aimer beaucoup. Parce que pendant cette année, ah, la vie a des réalités. Quand il arrive que ses frères là vous déçoivent dans le mariage, ou elle vous déçoit, frère, vous me dites, si vous vous aimez tellement, vous allez vous comprendre. Mais là, frère, c'est pareil avec Christ. Toi, tu aimes Christ. Christ aussi t'aime. Frère, nous devons être tellement amoureux de lui. Et lorsque nous lui demandons quelque chose, et qu'il ne me donne pas, cela ne me branle pas. L'amour de Christ dans le cœur de croyants. Retenez. Dans la vie chrétienne, il y a toujours un temps de preuve. C'est ça la vie chrétienne. Il y a toujours un désert dans cette vie. Mais si vous l'aimez tellement, vous priez, pas de repos. Comme vous l'aimez tellement, cela ne vous ébranle pas. Il m'a pas répondu. Mais je l'aime tellement que ceci ne change rien dans ma vie. Pour le message, je ne vais pas abandonner. Dès que la réponse n'est pas encore là, je l'aime tellement que je ne vais pas abandonner Christ. J'attendrai toujours mon mari dans le message. J'attendrai mon épouse dans le message. J'attendrai mes bénédictions dans le message. J'attendrai tout dans le message. Pourquoi? Je l'aime tellement que je ne peux pas le blesser. Amen. Amen. Même si lui me déçoit, il ne peut pas arriver qu'il me déçoit. Ça peut paraître comme s'il m'a déçu. La même requête autant d'années. Vous pouvez penser qu'il ne vous écoute pas. Non, il t'aime. C'est un temps de formation. Amen. Amen. L'amour de Dieu dans les cœurs des croyants. Lorsque nous demandons quelque chose qui nous ne donne pas, cela ne nous ébranle pas du tout. Vous voyez? Pourquoi?
La seule manière pour nous de faire ceci, c'est de devenir participants de sa nature divine. Amen. Et dans Palaro à ses rochers, prêchez les 12:53. Paragraphe 14, le prophète dit amen. Amen. Rien que l'amour. Si vous l'aimez, le prophète dit l'amour pour Dieu dans votre cœur créera la foi. Amen. Amen. Si vous l'aimez, l'amour pour Dieu dans votre cœur créera la foi. Amen. Amen. Vous priez, il n'y a pas de réponse. Mais parce que vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, cela ne vous ébranle pas. Maintenant ici, le prophète dit, cet amour-là va créer la foi en vous. Aïe, aïe, aïe. De croire aux promesses. De croire à Dieu dans chaque circonstance. Nous devons avoir cet amour dans notre cœur. Que dans des moments difficiles, nous l'amour de Dieu dans notre cœur créera la foi. Même s'il n'y a pas de passage, mais parce que j'aime le Seigneur, cela va créer la foi à moi pour des choses. Amen. Amen. Une autre chose. Prenons Hébreux chapitre 7, première partie. Prêchez le 15 septembre 57. L'amour de Dieu dans votre cœur ne vous ébranle pas quand il n'y a pas de réponse. N'achouez Moussambil. Dans vous n'allez pas être tanké, mon frère et ma soeur. Vous n'irez pas d'une église à l'autre. C'est va et vient que vous faites. C'est tout simplement une preuve que l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur. Une preuve. Hébreux chapitre 7, paragraphe 139. Voilà pourquoi je ne vendrai pas mon expérience à aucune dénomination. Je ne vendrai pas mon droit de naissance pour les rocs Nendoron. Ou pour son, ou plutôt des Cadillac, ni pour son million de dollars. Et tout le reste qu'il touche chaque mois. Non, monsieur. Le prophète dit, le prophète je lève. Maintenant, il dit, je me souviens, monsieur Islay. Vous ne connaissez tous la plupart d'entre vous. Il est venu ici, il est sénateur de l'État d'Indiana. Quand mon bébé était mort, et que ma femme était morte, et que tous les autres reposaient là-bas au cimetière, j'ai monté la route. Les mets derrière les dos en pleurant. Il a sauté de sa vieille camionnette. Et est venu passer son bras autour de moi. Il a dit, Billy, j'aimerais te poser une question. Il dit, j'ai entendu prêcher au point que tu as failli tomber
J'étais en train de m'enterrer partout, criant pour Christ. Que la vie aujourd'hui est dans le message. Aujourd'hui pour être sauvé. Ton bébé est mort alors que tu l'invoquais pour qu'il te vienne en aide. Toni mwina mwana wa kulele dibu sinye wa hebe suva musoka nzambi wa iya kwa mulu. Il t'a tourné le dos. Il est sinye wa kweni nyima. Monsieur Isler dit. Pinde Isler udwambani. Qu'en penses-tu de lui? Pinde ni malonso wa kwenze kedia. Uduwambe bishibu wa Yesu webao. Ici, vous devez comprendre ceci. Aha. And we o mungu wa lwebu bimbo. Retenez que dans cette vie chrétienne, and we mu kwata mulamani mulwendo lobo ina Kristo yenu. Tout peut arriver. Maloso ni mokwenzeka. Dans cette vie ici, il y a beaucoup de surprises. Mulwendo munjilo utu bigela nenu yo. Mudi malo abunya tushitula. Les gens comme Isler viendront. Bantu baba fona nani mwabila Isler yo. Nabia. William Branham. On est Branham. Mais j'étais vu prêcher. Wewe kimu ngasanga nyuma sangwa hana ko yisho. J'étais vu prier pour les malades. Chimu kusanga na ko afere kamba ndu samjila babe. J'étais vu tu une le do. Wewe sindi mukubona wela bantu nyima. Mais voilà que ton papa, on a lelo et ton frère, on est wabalu. Tu ni bonso. Ta femme, ni muka jeba. Ton bébé, ni mwana mwina wale. On t'a tout arraché. Bonso ba kunyenyi. En d'autres termes, mucha kwidi chukwa. Tout ce que tu faisais comme activité, midi mu yonsi voyenza. Partez, mito hanche. Tous les moyens que tu avais, quand tu consulta vos dieux, on va n'avoir. Aujourd'hui, ce sont des gens qui te posent des questions. Les lobantu magadi bako elan kongo. Maintenant, il dit, il t'a tourné le dos. Signé wa kuko minyem. Que penses-tu de lui? Oui, le mec, je suis bon, moi, Jésus, et bah. Oui, la Branham dit, moi, notre Branham doit. Je lui ai répondu. Je l'aime avec tout ce qu'il y a à moi. Il se l'aime avec tout ce qu'il y a. Pas seulement que je l'aime avec tout ce qu'il y a à moi. S'il m'envoie en fait, je l'aimerai toujours. Je l'aimerai toujours. Quel amour de Dieu! Ça, c'est quel amour? Sa femme est décédée. Son bébé est décédé. Son papa. Son frère. Mwana wabalu makufu. Ane rien dit temps. Umafukumala makanangana. Les moqueurs ne se sont pas arrêtés. Basa kyanga nyikimbi manyina huto. Que passe-tu de lui? Lelo tri hashai tri hakazuku. Uduwele menji bishibwa Yesu wawo. Que passe-tu de ce message? Uduwele menji bishibwa mukenji uda muni ndi muita beyo. Je lui ai répondu. Memo kumonda munani. Je l'aime avec tout ce qu'il y a à moi. Wa Yesu wanyi. Ndi mumunanga ni biyosu bidi mumema. Pase le masa. Kinga nwachito. S'il m'envoie en affaire. Nashie muntu mumungena lelweo. Je l'aimerai toujours. Nito munuka muni ndi munanga kashidi. C'est ça l'amour que Dieu cherche. Qui dit nanga dit des amis ou keba? Mon frère, on est toi balou. Malgré le nombre d'années que tu as passé dans la parole. Na shabambali ou ka di moins en fou le bouni ka mumukenji ou di yem. Tu comprends que même si une fois n'a la fait. Bike ngela ou fou ni toi. Dieu sungeji. Kadi biok nash bike ngela ni nyumunge na mwini. À cause de Christ. An wa Christ yem. Non jire. Tonya ye mwini mwenge na. Je l'aime tellement, même si à la fin de ma vie qu'il me dise, va en affaire. Ma
frère Branham dit, à cause de l'amour que j'ai pour lui, j'accepterai. L'amour de Dieu dans le cœur des croyants. Vous faites dire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Inclinons nos têtes.
Avec ceci, mon frère, ma soeur, comment tu ne peux pas aimer le Seigneur Jésus? Non. Désirez cet amour de Dieu dans votre cœur. Que Dieu remplisse votre cœur de cet amour. Mais maintenant, que vous voulez le plaire en toutes choses. Vous le mettez le main. Que vous voulez le servir de tout cœur. Vous le mettez le main. Que même s'il ne vous donne pas la réponse. L'amour de Dieu dans lequel tu es croyant. Non, mon frère. Non, ma soeur. Vous aimerez la parole. Vous aimerez venir à l'église. Vous serez tout le temps à votre place. Même si la réponse ne vient pas, ceci ne peut pas vous laisser partir dans le message. Il ne peut pas abandonner Christ à cause de ça. Non, non. L'amour de Dieu vous gardera toujours dans la parole. Et c'est ce que nous voulons dans notre vie. Oh, Dieu, place l'amour dans mon cœur. C'est la prière du prophète, tu l'as prenant. Place à moi cet amour. L'amour dans mon cœur. Amen. 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 Thank you.
Seigneur, Dieu notre Père. Merci encore une fois pour ta présence au milieu de nous. Tu as déversé une onction sur ton serviteur pour traiter avec nos cœurs. Ça a été pas seulement une interpellation au Dieu, mais ça a été aussi un encouragement au Seigneur. Parce que sachant que si nous t'aimons de tout notre cœur, il y a un avantage lié à cela, Père. Toi qui as commencé cette bonne œuvre à nous, Paul a déclaré que tu l'amèneras jusqu'à bon port. Nous croyons cela de tout notre cœur. Toi qui nous as appelés, tu nous as aussi justifiés. Toi qui nous as justifiés, tu nous as aussi glorifiés. C'est pourquoi, Père Céleste, nous bénissons ton nom grandement. Que cette parole ait un impact dans le cœur de chacun de nous. Et qu'elle produise les fruits dignes de l'évangile que nous avons vu. Parce que nous croyons que nous sommes les élus du temps de la fin. Tu nous as connus avant la fondation du monde. Et tu as déclaré que nous ne serons pas séduits. Merci Seigneur Jésus. Tu nous as trouvés dignes d'être ton épouse. Tu as versé ton sang pour nous, Père. Oh, encore une fois, merci Seigneur Jésus. Tes bénédictions nous accompagnent partout. Que la gloire et l'honneur, que la puissance, que la louange, que la richesse, que tout cela te soit donné. D'éternité en éternité. Parce que tu le mérites, oh Dieu. Maintenant, Seigneur, nous remettons les autres services entre tes mains. En particulier celui des prélèvements des dîmes et offrandes. Bénis tes enfants qui t'ont amené cela. Et ceux qui en ont l'intention, Seigneur, pourvois dans l'avenir à ce qu'ils soient à mesure de les faire pour toi, Père. Et que toutes les bénédictions rédemptrices qu'elles nous accompagnent partout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le président Georges et le diacre Nathanaël appellent leur juridiction à les rencontrer après culte. Président Georges et Moulami Nathanaël, et le diacre Nathanaël rappelle à sa juridiction le nettoyage de nos deux temples demain samedi. Et Moulami Nathanaël, Dieu voulait que tu aies une bonne équipe. Il vous demande d'être là dès 6h30 et d'amener les nécessaires.
notre huissier Jean Camou nous donne cette information. Huissier Wetu Jean Camou, La sœur Mbelou, femme du frère Ntumba Diedo, elle est revenue d'idée de son père. Et elle est à la maison. Il nous demande de passer la consoler. J'invite l'intérimaire de notre pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais compléter d'abord au communiqué de la juridiction qui doit travailler demain. On est en train d'agrandir la fosse sceptique qui est derrière notre temple, notre ancien temple. Vous savez que les toilettes de là derrière sont bloquées depuis un temps à cause du bouchage de la fosse sceptique. Alors, il a été pris des mesures pour améliorer sa durée de vie et son fonctionnement et sa durée de vie. C'est ainsi qu'on est en train d'élargir un peu et puis de faire d'autres travaux en rapport avec ça. Alors cela a amené à constituer un grand tas de terre. À cause, à cause du creusement du puits de l'agrandissement de notre fosse. Alors, pour la juridiction de demain, ceux qui peuvent amener leur brouette, leur pioche, c'est comme ça qu'on dit, les bêches ou les pioches. Peuvent nous aider à évacuer cette terre rapidement, ça serait une bonne chose. Qu'ils amènent donc les brouettes, qu'ils amènent les pioches, les pics et les pioches pour nous aider à évacuer rapidement ces terres. Oui, pour que le travail avance très vite. Notre souhait, c'est que cette fosse sceptique soit terminée au courant de la semaine prochaine. Alors, amener ces instruments que nous avons cités pour que cela avance rapidement. Alors, les dimanches, nous serons obligés d'aller à Boya. Et cela répondant aux souhaits de notre berger. Parce que le pasteur Kam, qui a fait 4 mois dans notre province, dans son assemblée ici de Boya, alors a abouti à l'élection de son associé dans son église. Le pasteur associé de son église. Depuis le dimanche passé. Alors ce dimanche, il sera ordonné.
Et c'est ce qui fera que nous soyons obligés d'aller représenter notre tabernacle à Boya. Nous voulions que vous soyez au courant de cela. Le précieux frère va rester ce dimanche-là avec l'église. Précieux frère, Pierre Kalende Dibwe, Nachala Mudial Mingwa Munekelezi. Voilà les deux communiqués importants. Donc n'oubliez pas demain, juridiction Nathan, amenez les outils pour que le travail de fausses sceptiques avance rapidement. Très important. Kimamanisha Bidiatu Vuna Ungao, Kalibwachito Chamula Minatan Kanu Moito. Malabunuluni Biamo Bionsu Biamujumu Bitua Tejumo Kumbu Shamalabaji Hanimani Chine Chetu Chabu Chafu Chijika Lukas. Voyez, d'habitude, parfois les sœurs amènent des récipients pour nous aider aussi à évacuer les terres quand nous avons ce genre de travaux. Pas Bouchafu, Boulaba. Boulaba. Ah, ça nous sera très utile. C'est la terre rouge. C'est la terre rouge. Parce qu'on est en train de creuser, on a élargi un peu. Que Dieu vous bénisse. Oui, oui, j'avais déjà répété. Ah oui, dans cette juridiction. Ok, les frères de la juridiction scellés et Levail qui sont dans les environs, s'ils ont des brouettes, ils peuvent nous aider aussi parce qu'ils sont dans les environs du temple, ça peut nous aider. Donc nous vous demandons à vous aussi de contribuer de cette manière-là. Inclinons nos têtes. Père céleste, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous te prions de nous raccompagner dans la paix. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons dans l'ordre de nos diacres et de nos huissiers.